Nous sommes à J-29 de Super Smash Bros. Ultimate, bienvenue dans l'ultime compte à rebours. Samus sans armure. Armure sans Samus. Théoriquement, Dark Samus. Oui. Une armure sans Samus. C'est ce que j'ai dit, il y a genre, juste avant qu'on commence l'épisode, tu me piques mon truc. Ah bon? Je ne sais pas. Vous savez, je ne me souviens déjà pas de ce que je dis moi-même, alors ce qu'il dit lui... Nous avons la pyrosphère et nous avons Norfer. C'est où qu'il y a Ridley dans lequel on peut ne pas c'est aller? C'est celui-là qui a Ridley. Ah bah allons pas dans celui-là avant d'aller en DF. Pourquoi? Parce que Ridley c'est le pire des fils de pute. Ridley, un peu comme. comme dirait Durandal. Va te faire foutre, Ridley. Tout à fait, voilà. Donc allons dans Norfer, en plus je connais mieux ce stage-là. Si tu veux. On fera la pyrosphère en DF. Ouais, voilà. Et on fera l'inverse avec Samus, donc tu devras te taper Ridley. Moi je préfère Samus sans armure parce que j'ai plus de chance de vendre. Tu penses? Bah, en fait c'est un personnage plus rapide. Ah, bien vu. Bah, Samus normal est pas super rapide. Oh non, ça va, j'aime bien Samus en plus. Hein. Moi je connais bien Samus, mais parce que je joue Tireur Mi en fait. C'est basiquement mini Samus, mon Tireur Mi. T'y as cru? J'ai espéré ça. Hey, Midona! Ah, mais non, mais ma vie, pourquoi ma vie c'est ça? Vaut mieux ça que Tingle, hein. Non, parce que Tingle. Ah bah voilà, moi qui me disais tiens, oh, je te demande. Mais non, tu te fais voler. Ah oui, là, littéralement volé là. J'avais paralysé quoi. Midona, elle ne te lâche pas. Non, mais évidemment quoi, ça m'a rebondi de pile dans ton truc. Quoi. Comment t'as plus zéro dégâts, toi t'as mangé des trucs. Oui, il y avait une boîte surprise. Mais ça va la chance là où. Comment ça se passe? Magnifique, j'apprécie. Mais ma vie c'est tellement de la merde, j'arrive pas à se matcher quoi. Ouh. Mais mon dieu, mais t'arrêtes d'avoir une chance insolente comme ça. Ah. C'est même plus drôle hein. Ah. Genre à un moment bon tu fais même pas exprès de prendre des trucs et tu prends des trucs au pire. Ah quoi. Oui absolument. Oh bah tiens, en parlant de trucs. Mais évidemment tu veux pas mourir avec hein. Avec moi, mon ami, mon avenir, ma vie. Car même là, quoi, t'as eu de la chance, quoi. Que ce soit une Pokéball qu'elle tourne. Je sais pas ce qu'il fait, le gars, par contre. Il balance des trucs en arrière, moi. Du coup, c'est quoi son final smash maintenant? Combinaison puissante. Non, c'est Snake de Brawl. Non, c'est un peu de la merde. Je dis ça et tu vas me tuer avec. Mais... Ah oui, non, c'est mieux que Snake de oui, Brawl. Oui, c'est Snake de Brawl laser. Ah oui, voilà. Du coup, c'est bien de me prévenir comme il faut. J'avais oublié que c'était un laser comme ça. Ouais, ouais. Honnêtement. Je te dis, les Final Smash, moi je m'en souviens pas. Hein. Encore Norfer alors? Ah oui. Moi que tu veux jouer à un endroit alien. J'aime bien comme. Ouais, c'est le fight du bourrage. C'est aussi le fight de comme quand on est tout près et que les noms au-dessus de nos têtes disparaissent, qui on sait plus qui est qui. Franchement, on a peut-être moyen de voir. Non, on a pas moyen. Je disais si on peut peut-être un peu voir avec. Moi je suis normalement un bien clair. Je sais pas si ça se voit. On peut faire pause pour voir. Tu vois, un petit peu. Ouais, ça se voit, mais. Mais bon. En plein combat. C'est compliqué. Oh bah Skull Kid, mais c'est Zelda aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il peut avoir plusieurs effets. Je sais plus s'il peut avoir plusieurs effets ou pas. Ah purée, à chaque fois j'ai l'impression. Je pense que je pense à la. Mais le match au spécial haut de Brawl au lieu de. C'est aussi le fouet. Alors que là c'est genre un truc vers le haut. Ce qui est mieux parce qu'on sait à quel point j'adore. Oui, ça lui donne un meilleur recovery, mais il n'avait pas spécialement besoin parce que son truc c'était un fêteur au bas. Parce que tu adores, genre, ce air bizarre par exemple.
C'est toi qui as lancé un truc ou moi? C'est toi, je pense. J'aime pas. Tiens, meurs! Oui! Sauve-moi! Non, c'est pas le mouvement que je voulais. C'est ça. Le mouvement qui est revenu en plus, hein. Il m'a comme son attaque. Son attaque qui te fait frère marteau. Ah oui, d'accord! Les deux vagues de lave si proches de l'une de l'autre, d'accord. Il y en a deux par en fait dedans. Ah. Apparemment, je me suis pas fait toucher, hein. Le jeu voulait pas. Évolé! Il te fait bélier quand t'es tout près. Je vois, mais il saute pas de plateforme, du coup, il est un peu con. C'est un évolu en même temps, je sais pas ce que. Sucroquin, il fait quoi? Il te ralentit quand t'es tout près de lui. Là, il s'appelle Sucroquin. Oui. Mais c'est déjà étonnant que ça. Oui, oui. Je pense qu'il est moche. T'as joué à Y il y a pas si longtemps en même temps. Tu l'as fait s'envoler. Oui, c'est envolu. Aïe, je t'ai touché. Et ça t'a rien fait car tu es même métal. Ok, what? Je sais pas ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que. Je crois que je comprends pas ce qui se passe. Là, je comprends clairement pas ce qui se passe. Déjà, reviens. La 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 la. Ça va être ultra chiant, on va mourir. Oh là! Bah écoute, j'ai déjà perdu une vie, hein. Jude. Je sais pas comment t'as fait. La vague de froid. Enfin, de chaud plutôt. En plus, tu en as refaire, quoi. Wow, y'a un volume. Oui, c'est un volume que j'ai lancé. J'ai 300 dégâts et. En fait, c'est le lapin qui fait tout. Oh non. Oh, le meilleur trophée aide! Oui, parce que le lapin il nous permet de ressauter. En fait, normalement, on devrait galérer à revenir, mais vu qu'on a le lapin. Merde, je suis à côté apparemment. Je sais pas qui a mis l'œil qui tue. Ouais, je pense. Bizarre. Non, métal, ça va être. Ça va... On s'en fout, on est super efficace contre Bizarre. Mais par contre, là, Bizarre il est mort, là, je suis désolé. Il est dans la lave complète et c'est un Pokémon feu glace. Tu vois, là, j'ai perdu une vie aussi. Je comprends de l'aspect quand même. Tu crois que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. J'ai fait cette blague. Je sais, mais je l'ai refait. Ah, t'as perdu une vie aussi. Mais j'ai repris une vie, je crois. Alors, non. Bref. Comment j'ai survécu, je ne sais même pas. Ah, j'ai récupéré Protoman. Ah, mais il n'y a que toi qui l'as, on dirait. Quoi, Protoman? Ouais. Enfin, non, c'est Eggman, mais j'ai compris quand même. J'avais pas vu qu'il y avait un truc qui allait hop dessus. Tata. J'ai déjà fait cette blague dans l'épisode de Shoop, donc je ne la referai pas. J'ai mis l'original, le lead spin, le meilleur. Aïe! Quoi? Mais t'as pris un trophée de camp? Je sais pas, mais je l'ai pris. On est d'accord. Hein. Je le prends quand même parce qu'il est là. Je... La vague! Oh! Ah, oui, c'est moi qui l'ai. Ah, j'ai compris, je te jure! J'avais un deuxième saut, bordel! La meilleure attaque qu'il y avait dans ce fight, c'était le combo de base. Like Minecraft. Non, mais j'ai compris, hein, malheureusement, je ne voulais pas faire suite à cette blague puisque c'était une unité assez effarante. Tu peux parler, j'aime bien, j'aime pas les mythes peints. Je vois pas que tu parles, donc voilà. Et Gladiolus, je sais plus quoi. Je vois pas que tu parles. Tu es en train de mettre sur moi des accusations qui n'existent pas. C'est enregistré et sur YouTube. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je bon, c'est peut-être pas encore sur YouTube quand vous voyez ça parce qu'il sera dans les bloopers, mais. Pas les mythes peints. À ce point-là. Non, les mythes peints et le Gladiolus. Généralement les blagues, blagues dans les mers, dans les. C'était. Tu vois pourquoi j'ai parlé. On parlait de Gladio parce que. Oui, t'avais mis la main, ton curseur sur la tête de ton mythe de Cyril Ferro et t'avais dit s'il était dans FF6, ce serait Gladiolus, je pense. Oui. Ouais, FF6, je sais pas, mais. FF6 ou FF15. FF15. Et je pense que celui sur Baba, tu as dit si on était dans FF6, ce serait Baba Oron ou un truc ainsi. Ah oui, bah c'est FF10. Mais j'ai dit.
Bah moi j'ai dit FF6 mais dans ce cas là. Non, tu as dit FF10. A chaque fois que je dis FF6, je pense FF10, je sais pas pourquoi. Sachant que c'est deux jeux que j'ai et que auxquels je n'ai pas joué, alors. Je pense que ça marque bien. Là aussi, je m'attendais à faire le truc du laser. J'aime bien ces missions d'armes. Différentes raisons, lui aussi, parce que j'aime bien son smash côté. J'aime pas son grab, je déteste les grabs comme ça. Juste parce que c'est un grab un peu long. Oui, c'est ça. Oh. Oula. Oula. Je pensais pas que ça t'explose. Oula. Faut que j'arrête de lâcher trop tôt. Ah, là, c'est oui, oui c'est complètement con là, oui je suis. Better. Ah, elle prend longtemps pour faire un attaque sur le côté. Aïe. Ah. Je pensais pouvoir avoir un petit moment de réponse. Ah. Eh hey, regarde, t'es un air bizarre. Herbie. Non parce que là, j'ai pas fait que ça. C'est vrai que ça attaque dans le bas. Oui. Oh. Ah. Tu vas crever un jour, oui. Certaines choses ne veulent simplement pas mourir. Mais coup, c'est la ville de Flarksar. Du coup, c'est qui le plus fort? C'est Batman. On sait que t'allais répondre. Oui. Bah, hein. Oui, Batman. Mais non, mais c'est parce que la réponse la plus importante c'était Batman, c'était pas. C'est vrai que la réponse. Il faut le faire en entier, c'est comme Diddy Kong. Diddy Kong. Kong, voilà. Si j'avais pas dit le Kong, ça aurait été beaucoup moins marrant. C'est la répétition qui rend la chose marrante. Bien sûr, ça n'a absolument aucun rapport avec Batman, hein, mais. Je pensais pas que ça me toucherait parce que depuis tantôt il a tendance à être plutôt invincible avec cette attaque vers le bas. Ah merde. Alors, le pire c'est cette situation là parce que c'est situation où je te mets un smash sinon et du coup ce que je fais est totalement différent. Oh, c'est vrai que c'est ça. Ah, oh, j'ai pas réussi. C'est bien que normalement, si j'avais le bon timing, je devrais pouvoir. Parce que tantôt on l'a fait 2-3 fois, mais clairement, je pensais bien que. J'aime bien Samus sans armure comme personnage. Non, j'aime bien aussi. Ouais, parce que là, je vois. Et combien là? C'est 1 du coup. Oui. Oui, donc ce match a de l'enjeu. Enfin, l'enjeu. Tant d'enjeux qu'il peut avoir quand t'as une vie d'avance sur moi, quoi. Mais... Bah, une vie d'avance, c'est beaucoup de dégâts quand même. Disons que je n'ai pas vraiment dominé ce combat, tu vois ce que je veux dire. Allez. Oh. Aïe. Ah, oh, je me... Bien joué. Je pense qu'à partir d'ici, si je perds... le combat, ce qui va pas m'arriver. Je pense que je serai pas déçu de moi quoi, je réussis à te mettre à une vie, ça va quoi. Oui, évidemment, c'était le plus évident. Oh, on s'est touché tous les deux, je pense. En fait, je pense que... Oh, je sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais okay. Je pense que je t'ai juste éjecté parce que j'avais beaucoup de dégâts et que je t'ai mis un gros coup de pied.
Ouais, mais enfin, d'habitude, une fois que l'attaque a commencé, généralement, on... Ouais, j'ai pas besoin du quoi, c'est ça. Un timing très, très serré où tu m'as tapé, puis le moment où je t'ai tapé. Enfin, t'as commencé ton attaque, mais j'ai quand même réussi à taper, je sais pas, honnêtement. Bref, c'est donc la fin de cet épisode, on espère que vous l'avez apprécié. On vous retrouve demain pour la suite de l'Ultime Compte à rebours. Oui.